Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Pérouse, dans l'épisode de Robocraft et on part tout de suite pas en Team Deathmatch, on va continuer en Battle Arena, tiens ça me manque, ça m'a manqué pendant longtemps, on a fait du Team Deathmatch, maintenant je suis content de retrouver un petit peu le Battle Arena et je vous retrouve d'ici quelques secondes pour vous dans une game, à tout de suite chers amis. Voilà, chers amis, on a GG Boy et GG Girl en face, c'est bizarre, Wani et Shin Young. Je m'attends au pire. Honnêtement, je m'attends au pire. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Bon. Bon. Robo 1, FML 02, Skygoro, Flyboys. C'est très bizarre, hein, tout ça. Pourquoi pas. Allons-y. Hop. C'est l'intégralité de mes tirs. Ok, on va redescendre un petit peu. Hein. Ok, quelque chose qui continue à me tirer dessus, c'est marrant ça. Ok. Petit coup de régène. Faut pas l'oublier, le bouclier nous régène. Hein. Ah, j'ai à peine touché. Je sais pas s'il est encore là, mais... Hop. Ah, je déteste ça. Ok. Je récupère mes drapeaux, s'il vous plaît. Merci. Oh, j'ai tout raté, mais c'est pas possible. Ils sont où mes copains? Ah, c'est si simple d'esquiver. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Ok, on boost et on espère ne pas se faire exploser avant. Voilà, parfait. Ce qui est génial, c'est de voir que on a beau avoir été pris un missile dans les fesses, littéralement, dans la queue, hein, dans les ailerons, on a quand même eu la tête qui a explosé. C'est génial de voir que la physique du jeu est respectée. C'est vraiment un véritable plaisir de voir que la physique du jeu est respectée. Enfin bon, c'est pas grave. Ok. Aïe. 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 Tant pis. C'est saoulant. Et c'est quoi qui me fait ça? Un robocopter, littéralement. Bon, ce sera à retester. Quoi qu'il en soit, ça pue du cul, on n'a pas assez de tours. Ok, j'ai raté l'intégralité de mes tirs, là aussi. Là aussi. Là aussi, c'est pas grave. Ah, ça me saoule. Oh, c'est saoulant. C'est saoulant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour esquiver ces deux missiles? Oui, j'ai censuré ma phrase. Et alors? J'ai l'impression de ne pas pouvoir avancer sur le terrain, c'est saoulant.
Mais putain, mais... Tu veux bien te prendre des dégâts? Ah non, c'est pas la peine, hein. Pourquoi des fois j'ai l'impression de tirer avec des petits canons, des canons de T5, littéralement. C'est saoulant. Falloir que j'aille vérifier après, hein. Je leur fais pas de dégâts. Pourquoi je leur fais pas de dégâts? Je veux savoir. Je veux savoir. Montre-les-moi ces étrangers qui veulent, qui semblent pareils à moi. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Mais Tarzan, je l'ai pas trop aimé ce film. Je ne me rappelle plus trop. Même si j'aime beaucoup Phil Collins. Non. Ok. Donc, c'est pas la peine de vouloir voler dans cette partie. Hop. Désolé l'ami. Non mais c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine de jouer. Je leur fais pas de dégâts. Pourquoi je leur fais pas de dégâts? J'aimerais comprendre en fait. Pourquoi les dégâts que je fais sont nuls? D'un seul coup. D'un coup d'un seul, comme on dit. Alors je ne peux pas voler. J'ai du mal à toucher et quand je touche, je ne fais pas de dégâts. Voilà, merci. Je suis ciblé à nouveau. Touche. Il va me buter? Bah oui, bien sûr. Avec le peu de missiles qu'il a réussi à tirer, il a réussi à me buter. Faut dire, mes protections sont sur l'eau et pas sur le dos. Enfin bon, j'ai réussi à le toucher. Bon, ça qui compte. On a perdu en plus notre tour là-bas. J'ai raté mes tirs. Ok. Bah écoutez, on va faire pareil qu'eux. On va essayer de faire une infiltration, littéralement. Hein. Mais j'en doute. Hein. Quoi? Putain, je me fais toucher chez moi, quoi! Your bottom fusion tower is under attack. Faut que je m'assure de toucher cette fois-ci. Your bottom fusion tower is under attack. Et oh là, l'autre du cul. Ah, il me saoule avec son hélicoptère à se mettre hors de portée de la vision de tout le monde. C'est saoulant. Honnêtement, c'est saoulant, chers amis. Hein. C'est saoulant. On le voit pas, mais il peut nous viser et nous tirer dessus, lui. On sait pas pourquoi. Mais nous, on le voit pas. Parce qu'il, lui, enfin, ça me saoule. Honnêtement, ça me saoule. En fait, c'est incroyablement saoulant, parce qu'en fait, il se sert des spots de ses ennemis, de ses amis, pardon, pour voir ses ennemis. Du coup, on va faire quoi? Bouffe. 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 Non! Putain! C'est saoulant! Je peux pas voler! Je suis obligé de rester là! Casse-toi! Sac à purin! Désolé, mais là. Non! Alors là, je suis désolé! Quoi? Un autre? Ok. Your
Ok, merci de l'avoir eu. Casse-toi, 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 j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de bouger, merci. Ça n'a pas suffi. Off. S'il a accepté de se retourner, ce robot. Quoi? Ah, vas-y, saute. Your middle fusion tower is under attack. Et j'ai pas. Et pourquoi il a disparu? Pourquoi il a disparu? Putain, vous l'avez vu comme moi, chers amis. Il a disparu. Il a tout bonnement disparu. C'est génial. Pouf, magie, disparu. Prenez la tour, prenez la tour, prenez la tour, prenez la tour, prenez la tour. Quoique non, butez ce truc là, effectivement, ils ont raison. Ils ont entièrement raison. Butez ce truc là. De toute façon, on peut pas avancer. C'est-à-dire qu'on a une. On a. Alors le matchmaking est tellement bien fait qu'ils ont réussi à faire une. À mettre une équipe vol face à une équipe anti-vol. C'est ça, hein. C'est exactement ça, chers amis. Hein. Ok. Hop. Mais comme ils font plus de dégâts que moi avec leur SMG que moi avec mes bombers. Enfin, je me demande pourquoi je joue une autre classe. Hein. Ah bah je suis mort. Qu'est-ce qui m'a tué? Cette saloperie là. Regardez ça. Regardez-moi ça. Et c'est incroyablement puissant parce qu'en plus les dégâts splash que je fais avec mon arme ont beaucoup de mal à détruire les jambes sur lesquelles sont posées les armes. Vous vous rendez compte du truc? Cette catastrophe. Oui. Bon bah apparemment non. Moi j'accepte la défaite hein, quand elle est manifeste. Je peux pas voler depuis le début de l'épisode. L'arme la plus meurtrière du mec est restée en vie jusqu'au bout hein. Rendez-vous compte hein. Bon il y a ça aussi, mais bon c'est autre chose. Oh là 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 là. Enfin bon. Je m'en ferai sûrement un truc comme ça en plus. Hein. Juste pour le lulz. Mais bon. On verra le moment venu. On verra bien le moment venu. Il se plante derrière le machin, qu'il est con. Hop. Non mais s'il voulait, il nous aurait déjà buté, hein, pour vous dire, chers amis. S'il le voulait, on serait déjà mort. Est-ce que je vais réussir à m'enfuir suffisamment loin? Ah bah non. On parle combien que l'autre hélicoptère à la mort, mais elle ne va être là. Your plutonium reactor is under attack. You have captured the enemy's bottom fusion tower.
Hop. Hop. Non. Putain de copter à la mort, moi le nœud. Et bien sûr. Les missiles sont cheatés. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai touché. Vous avez vu, le réticule est devenu rouge. J'ai touché. J'en ai rien à cirer. J'ai touché. Ça c'est bon. J'ai touché l'ennemi. Voilà, c'est dit. Noobs. C'est vrai qu'il y a... C'est vrai que c'est une équipe qui est complètement... craquée en face. Mais enfin bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et l'idée du copter qui monte super haut, c'était pas bête. Hein. C'était vraiment pas bête. C'était vraiment pas bête. Ce sera une idée à creuser une fois qu'on aura le comment... Si jamais, enfin, si jamais vous acceptez, je dis une fois que... Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Hein, vous m'avez pas encore... J'ai pas encore de retour à ce sujet. Si jamais on a le prêt, ce sera une idée un copter qui monte extrêmement haut. Pas forcément pour un lance-roquette, mais plutôt pour un sniper, moi j'aurais imaginé. Faudra voir. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Et oui, l'épisode est un petit peu court, mais là je pense que vous avez compris que c'est une partie qui m'a assez écœuré en règle générale. Donc bon, merci de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, hein, partager les vidéos et abonnez-vous. Ce sont deux excellents moyens que vous avez pour me faire connaître les amis. Je vous en remercie encore une fois. Peut-être que bientôt j'aurai vos réponses vis-à-vis du compte presse. En tout cas, on verra bien. C'est vous qui m'en avez parlé. Moi, je vous en reparle de vive voix. Si vous n'avez pas donné votre avis, je vous invite à le donner, même si le décalage fait que j'aurais peut-être déjà demandé le compte presse si vous l'avez accepté au moment où vous verrez cette vidéo. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yo!